Alors aujourd'hui, on se trouve au belvédère de la Gabelle. Et on a une vue splendide. On va à Sceaux, on va voir la forêt pour profiter un peu de sa fraîcheur. Alors ma flashouilleuse. Eh mon cœur, je pensais à un truc. Dis-moi. Est-ce que ça te dirait pas de faire les gorges de la Nesque la prochaine fois? Ah, c'est une très bonne idée. Ça se trouve juste là derrière. Ah, bonne idée, ouais. Ah, ça me tente bien, ouais. On fera ça? Ah, pas de problème. Alors, t'as plus qu'à regarder le parcours. Faire le parcours, on peut garer, regardez les amis. On peut garer la voiture tout en bas, là. C'est un parcours à peu près, je crois, de 20 km. Ça va. 20 km aller et retour. 20 plus 20? Ouais. Donc 40? Oui, pour le plaisir. Pour le plaisir de la marche. Mais je crois que... Ça va pas être possible. Ah, on fait en deux fois. Parce que le problème, ça y est, les amis, l'été est bien là, dans le sud de la France. Et il fait lourd. Au début de mai, on se tape des températures de 31 degrés, 32. Et c'est très chaud. Alors, mon cœur? Oui. T'as bien digéré? Le petit burger fait maison était délicieux. C'est vrai? Ah ouais. À l'Alzon, on s'est arrêté à un petit restaurant de village. Et on s'est régalé. Je crois que c'était Ville-sur-Ozon, non? Oui, c'est ça. En contrebas, là. Là, on est de l'autre côté du versant de la montagne et c'est l'autre côté. Et donc, on se dirige vers où, là, aujourd'hui? Alors là, tu vois... Un petit massif de rochers. Oui. On va le village de Sceaux. Et nous, on va jusqu'à vers Intermarché. Il y a un camping. On peut garer la voiture. Bien sûr. Et on va aller faire un petit bout de forêt. Super. Au frais. Voilà. Parce que alors là, la chaleur. Il cogne. Mais là, comme il a 800 mètres d'altitude, donc il fait un peu moins lourd que sur Carpentras et Monteux. Oui. On sent il y a un petit peu de vent. Là, ça fait. Allez, bien. C'est parti. C'est parti, mon cœur. Allez, let's go. Et les amis. Alors, on est tombé sur un petit magasin qui s'appelle. La linge ou la vende. Et on sait où faire quelques petits trucs pour la maison. Ça sent super bon. Et alors, tout est fait artisanal. Oui, apparemment. Ils font tout sur place. Donc, si vous voulez venir, on vous glissera en bas de la vidéo un lien et les photos pour ce site-là. Voilà, alors n'hésitez pas à y passer. C'est clair. La linge ou la vende. Et vous avez une magnifique vue sur... Sur Sceaux. Sur Sceaux. Juste là, les amis, regardez. Et nous, on va juste derrière, vers l'hippodrome, et on va marcher dans la forêt. Ah, on s'est fait plaisir, regardez là, juste derrière nous. On a fait les cons, on a mis nos têtes dans les trous, là. Ça fait les bons provençaux. Ah, tranquille. C'est comme ça qu'on dit, les bons... Ah, les beaux, bons, je sais pas... L'intelligence ne fuse pas trop quand même ici. Hein. Ah, c'est le soleil qui tape fort. Ah, il tape très fort. Il faut nous comprendre un peu. Allez, à tout de suite les amis. À tout de suite. Et voilà mes très chers abonnés, nous allons nous promener dans la forêt. Ouais. Et qu'est-ce que tu me chantais il y a quelques secondes? Promenons-nous dans les bois. Ah, oh, qu'est-ce que c'est beau. Et vous voyez, véritablement, on va se promener dans les bois. Dans les bois, voilà. Let's go!
Mon cœur, regarde. Ah ouais. C'est pas magnifique, ça? Un arc. Un arc. C'est un enfant qui a dû faire ça? Ah, hein? Là, je pense que c'est clair. Et puis, il l'a déposé là pour la prochaine fois. Ouais, pour venir s'amuser. Alors, si tous les enfants, ils pouvaient faire ça de nos jours? Pas du tout. Ça, c'est la vie, ça. C'est clair. Maintenant, ils sont plutôt sur les tablettes, le téléphone. Donc, voilà. Hein. Ah ben, ça, c'est bien. Je suis contente de voir ça. Allez, on le repose à on sa repose place. On le repose à sa place. Voilà. Et ben, ce petit garçon ou cette petite fille, parce que ça peut être une petite oui, fille. Oui, c'est vrai. Hein. Très intelligent. Allez. Continuons. C'est par ici. T'as combien de temps on y arrive, mon cœur? Oh, on a fait la moitié du chemin, là. Il y a moins d'un kilomètre. On arrive quasiment sur le parcours pour aller jusqu'à la veine. Et là, on tourne juste sur la gauche. Alors, sur la forme 4, tout à l'heure, il y avait marqué 500 mètres. Donc, quand vous voyez ça, vous êtes pas loin. Okay. Oui, je t'écoute. Une petite question, ça signifie quoi là, quand tu vois une bande comme ça? 10-17. Alors là, je sais, ici, ils font pas mal de compétitions, tout ce qui est course à pied, VTT. Et je crois que c'est des trucs pour baliser pour les quand ils font leurs compétitions. Ah, d'accord. Parce que des fois, tu vois les panneaux, là, comme ça. Oui. Où il y a un petit vélo affiché et t'indique le parcours. D'accord. Il y a beaucoup de circuits comme ça, ici. Ben, c'est bien de savoir. Alors là, comme vous pouvez le voir, la forêt est en train d'être nettoyée. C'est pas mal. T'as vu comment c'est? C'est magnifique. Et très reposant, les amis. Regardez, les amis, l'écorce a été mangée juste là. Et quand vous voyez un pain avec l'écorce complètement arrachée, c'est signe qu'un chevreuil est venu avec ses cornes, il les a grattées contre le tronc et regardez ce que ça fait. Et l'arbre, pour se réparer, il a fait couler sa sève. Je fais à peu près 1m72 et il y a des traces d'eau partout là, et regardez là, juste là, l'écorce a été arrachée, parce qu'en fin de compte, quand c'est l'hiver, ils vont chercher l'écorce tendre et ils la mangent. Là c'est à 1m70 quand même, hein. Pas mal, hein. Là aussi, regardez. Magnifique. Et la veine, les amis, c'est par ici, à 50 mètres. Allez, c'est parti!
Ah, j'ai bien l'impression qu'ils ont changé les barrières aussi. Voici les amis, une avena. Donc, quand vous faites de la spéléologie, et les vidéos que vous avez, qu'on vous a montrées sur les grottes, eh ben, ça commence toujours par ça. Une simple entrée pour aller voir les stalactites et les stalagmites. Et nous marchons tout simplement dans un cadre qui est délicieux. Nous sommes sur le plateau qui est à côté de Sceaux. Et cette partie-là, ils appellent ça le plateau d'Albion. Alors cette veine s'appelle la veine de Defense. Et on ne sait pas du tout si la veine a été explorée, et donc ce soir en rentrant, on ira aux infos. Ah ma flash fouilleuse, ça donne envie d'y aller hein. J'ai envie de sauter. Pourtant, j'ai pas peur du noir ni rien. Le seul truc c'est les araignées. À mon avis là-dedans. Rappelle-toi le spécialiste, il avait dit en spéléologie. Oui, c'est pas en profondeur. Pas, jamais en profondeur, au début de la grotte, mais pas à l'intérieur. Là, j'aimerais bien y aller, mais je vais te faire voir un film nouveau. C'est quoi? Alors, je sais pas si, pour ceux qui ont déjà vu, The Descent. Je pense que ça me dit quelque chose. C'est cinq filles qui vont explorer une... Non, je te fais une bande-annonce. Elles vont explorer. Cinq filles, elles partent à l'aventure. Et elle voit une entrée, une cavité comme ça. Elle rentre dedans. Et on a une des cinq qui a pris les dépliants, tout ça. Mais elle les perd dans... Ça s'effondre dedans et elle les perd. Elle se retrouve coincée là-dedans. Mais il y a des petites surprises au fond. Aïe. Voilà. Est-ce qu'ils existent dans la vraie vie? Des gros lézards. Ah. Ouais, des chauves-souris. Ah. Des êtres de grottes. Des bébêtes? Non, les bébêtes, vous restez à l'intérieur. On va savoir. Hein. Allez. Bon, on regardera ce film. Ah non, quelle horreur. Ça sera plus grand plaisir. Ah, quelle horreur. Alors, les amis, cette partie de la forêt, on sent l'humidité ambiant. Les amis, il y a quelque chose qui a bougé juste là. C'est quoi qui a bougé? Un gros lézard vert qu'on a déjà vu? Oui, je l'ai vu. J'ai vu le lézard. Bien vu, bien vu. Mais je sais pas si j'ai réussi à le capter sur la caméra. Alors les amis, c'est pas la première fois qu'on voit des gros lézards verts. Mais pas des petits. Hein. Ils font la taille à peu près de ma main. Et ils sont tout verts et c'est impressionnant. Mais t'as vu le bond qu'il a fait, il est ça. Ah ben là, il nous a vu, il se cache. Hein. Waouh. Bon ben les amis, hein, ma femme elle a capturé un petit lézard vert, un gros lézard vert dans les buissons là. Malheureusement avec la caméra, j'ai pas réussi à faire un zoom dessus. Mais elle a fait deux photos. Et les photos elles vont venir tout de suite après cette vidéo. Ah, vous allez voir, vous allez pas être déçus. Hein. En plus, il nous fixait. Hein, ouais, elle nous a régalé. Hein. Donc pour une fois, je mettrai les photos avec cette vidéo et qui vont durer après 5 secondes par photo. Comme ça, vous allez apprécier vraiment les photos. Allez, nous, on profite encore de cette forêt qui est magnifique et qui nous réserve de sacrées surprises. On a vu des traces de cerfs qui ont arraché l'écorce des arbres. Ouais. Un petit lézard. Il ne manque plus qu'un cerf et des sangliers, on a tout vu là aujourd'hui. Hein. C'est clair. Bien sûr, les papillons jaunes qui nous narguent comme d'habitude. Hein. Et ils passent à côté de nous. Ils font cui-cui-cui-cui. Tu ne me prendras pas en photo, ils font style, ils se posent, d'après ils se cassent. Saloperie. Non.
voici une autre barrière. Le lézard vert, c'était juste ici. Et nous, je pense qu'on va aller en face. Parce que là, de ce côté, on a eu des surprises. Donc on va essayer de faire le moins de bruit pour voir si on capture des animaux. Allez, opération silence. Silence, on y va. Bon, on a traversé une partie de la forêt. On essaie de faire un minimum de bruit. On entend plein de bruit. Et pour l'instant, j'ai rien réussi à capturer. Et par derrière, il y a un autre chemin. C'est pour aller au village Aurel. Et la route est pas très loin. Et par ici, on tombe sur le chemin central où on a garé la voiture. Allez, c'est parti. On est bien, qu'est-ce qu'on est bien, les amis. Oh oui, la fraîcheur. Et cette forêt est à 800 mètres d'altitude. Allez, à tout de suite. Alors les amis, en forêt qu'on sait regarder juste là. Vous voyez les souches des arbres qui sont sectionnées. Il y a des larves et les animaux viennent manger. Dont les souches d'arbres, regardez. Regardez celui-là comment il a été bouffé. Il doit y avoir un paquet d'insectes là-dedans. Regardez, vous avez le sang. Oui, il y a du sang sur le tronc là. Même là, regarde. Ouais, il y a des traces de sang, les amis. Il est juste blessé. Donc ça veut dire que les amis, le sang, il est rouge. Donc c'est tout récent. Regardez-moi ces arbres. Ils sont tout simplement délicieux. Alors d'un côté, les arbres, ils sont complètement difformes, ils poussent comme ils veulent. Et d'un côté, les arbres, ils poussent tout droit. Un contraste saisissant. Alors les amis, regardez-moi ça. On s'est légèrement déporté de notre chemin. Il y a une propriété privée, mais on ne rentre pas, bien sûr. Mais regardez-moi la vue qu'il y a. Elle est magnifique. Là, on est sur le plateau d'Albion, les amis. C'est tout ça. Je leur montre la stèle, ce qu'il y a gravé dessus. La curie. Alors sur le chemin, on est tombé sur ça. On a vu la cime des arbres qui était plus bas et on s'est dit tiens, c'est étrange. Et là, on retrouve plein pilier de nulle part. J'avais l'impression qu'on allait tomber sur une caverne, pas toi. Ouais. Ça aurait été super, hein ? Ça aurait été super. Alors les amis, depuis que je me balade depuis des années en forêt, j'ai toujours espoir de trouver des bois de cerf et j'en ai jamais trouvé. Alors peut-être que je vais en trouver aujourd'hui parce que c'est un chemin qui s'y prête quand même. Alors regardez juste là, la terre était retournée. Et ça c'est un os, les amis.
regardez les amis, comme quoi qu'il y a bien des chevaux dans les parages. L'écorce a bien été enlevée là. Avec ses cornes, il frotte l'écorce pour manger tout ce qu'il y a en dessous. Et la sève là, elle est bien. Ça sent super bon. Regardez-moi ça. Les amis. Elle m'a fait chouilleuse. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'elle m'a fait des photos comme ça. On a eu plein de surprises. Ah, franchement, c'était une apothéose. Mais franchement, le lézard vert, voilà. C'était à Barjac, on avait réussi à faire des photos, mais là, cette fois-ci, il s'est laissé capturer. Mais pas une photo, c'est quatre photos. Oui, il me regardait et il bougeait pas. Regardez fixement comme ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Bah écoutez, là on est pas loin de la voiture. Mais qu'est-ce que j'ai eu tout à l'heure qui est venu juste... Au niveau du lombril, elle a un insecte un peu bizarre. Il faisait du surplace. Trois fois elle est venue vers elle. Avec un long... Un long dard comme ça. Ouais, c'est... Mais droit. Et il faisait du surplace. Comme les papillons colibris, pour ceux qui connaissent. Mais là c'était plutôt une abeille colibri qui faisait du surplace avec les ailes qui battaient assez vite. Et juste ici au niveau de... L'ombril, il s'est dit, tiens, de la chair fraîche, tiens, je vais déguster quelque chose, tiens, l'ombril. Comment je vais la piquer, celle-là? Écoutez, les amis, là, on est arrivé au bout de la forêt, on a fait notre petit tour, tranquille. Avec Titine, juste là. Ah ouais, je leur ai montré. Ah, obligé, hein. Ah, Titine, elle nous attend. Et là, c'est la forêt des Fens, au sud de Sceaux, sur le plateau. Et à côté de l'hippodrome, il y a aussi un camping. Donc pour ceux qui veulent venir et que ça les intéresse, faites-vous plaisir. Et voilà. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir notre chaîne YouTube. Oh, ça coule de source, mais apparemment ça coule pas de source pour tout le monde. Ah tant pis, c'est bien dommage. Oui. Dommage pour nous surtout. Dommage pour nous. On aimerait avoir plus de monde qui vient regarder ce qu'on fait. Ouais. Parce que bon, on filme nos parcours et tout ça. Et vous ratez vraiment de belles choses. Allez, on va aller vers le panneau, je vais vous montrer tout ça. Oui, et on vous reprend à l'instant. Ouais, tout à fait, on va vous reprendre. Alors il y a 3 ans, je suis venu dans cette forêt, comme je le disais précédemment. Et il y avait quelqu'un qui m'a pourri sur YouTube en me disant que je connaissais pas du tout cette forêt, qu'il y avait pas, et que j'avais pas trouvé le dolmen. Quand vous connaissez les chasseurs, les ramasseurs de champignons et les gens qui font la chasse, aucun m'a dit qu'il y avait un dolmen dans les parages. Aucun. Donc voilà, il n'y en a aucun sur la forêt des Fens qui se trouve au sud de Sceaux. Le seul truc où il y a des blocs comme des menhirs ou des dolmens, c'est à l'entrée de la forêt. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hein. Mais ce n'est pas un dolmen. Allez, on y va. Voilà les amis. Bah écoutez, le parcours se finit là maintenant tout de suite. Donc voilà, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire, hein? Allez sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, les poupous en l'air. Hein? Et les petits commentaires pour qu'on puisse se régaler dans notre lecture quotidienne. Voilà. Allez. Donc, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ouais. Nous allons rentrer. Manger du bon sauciflard.
boire du bon petit vin. Et après, je te ferai une gerboulade bien, bien fraîche. De chez Cindy. Voilà, je prends acte. Allez, à bientôt les amis. À bientôt. Bon, ben, les amis, on vous a dit au revoir, mais bon, allez, c'est une petite vidéo bonus. Alors là, on n'a pas pris le chemin qu'on avait pris tout à l'heure. On descend par les gorges de la Nesque. Et t'en penses quoi? Regardez, hein. Jugez par vous-même. Alors logiquement, c'est une prochaine vidéo qu'on doit faire. On doit faire tout le parcours et s'arrêter sur tous les belvédères qu'on doit visiter. Parce qu'il y a de sacrées vidéos et photos à faire. Je crois qu'il y en a qui vont se faire plaisir. Eh oui. Allez, cette fois-ci, on vous laisse. Allez, à bientôt les amis. À bientôt.